Ce lundi 6 mars, Macha Merrill était invitée dans le loft d'En Aparté. L'actrice qui assume parfaitement son âge s'est confiée sur sa vie bien remplie, mais aussi sur sa belle histoire d'amour vécue avec le musicien Michel Legrand. Grande actrice du XXe siècle, Macha Merrill a longtemps enchaîné les rôles au cinéma, que ce soit en France ou en Italie. Certains films l'ont plus marqué que d'autres, si est-il le cas par exemple de Belle de jour, 1966, Beau-père, 1981, Les uns et les autres, 1981, et Le Grand Carnaval, 1983. Depuis le début des années 2000, ses apparitions sur les écrans de cinéma se font très rares, mais elle n'hésite pas à faire des apparitions dans des téléfilms et séries comme Mongeville et Doc Martin. Ce lundi 6 mars, Macha Merrill était invitée dans l'appartement d'En Aparté sur Canal+. L'occasion pour la star de 82 ans d'évoquer sa carrière, mais aussi sa vie sentimentale, marquée par son histoire d'amour avec le musicien Michel Legrand. Macha Merrill se confie sur son grand amour en 1964, son regard croise celui de Michel Legrand, mais lui a déjà marié et élève ses enfants, je savais que c'était le grand amour, sauf que ce n'était pas possible. L'attirance entre les deux étant trop forte, alors qu'il n'était pas envisageable pour eux de se mettre ensemble, ils ont pris des chemins différents, pensant qu'ils se retrouveraient dans une autre vie. Ce qu'on ne savait pas, si est-il que cette autre vie arriverait 50 ans plus tard, confie-t-elle, sachant que les amoureux se sont mariés en 2014 devant leurs proches. Son époux étant mort en 2019, ils ont vécu une courte relation, mais si est-il quelque chose qu'elle n'oubliera jamais, il n'y en a pas deux comme lui. C'était lui. Macha Merrill touchée en parlant de sa disparition, « Il m'a quitté par discrétion décédé de septicémie, Michel Legrand a laissé son épouse seule. » Une déception pour Macha Merrill, même si elle estime que tout ce qu'elle entreprend maintenant, elle peut le faire parce qu'il n'est pas là, la vie était très remplie avec lui. Il n'avait pas une santé formidable. Il fallait s'occuper beaucoup de lui, confie-t-elle, toujours un peu émue en évoquant leur passé ensemble. Je pense qu'il m'a quitté par discrétion pour me laisser faire ce qu'il me reste à faire, ajoute-t-elle avant de conclure en révélant les derniers mots qu'il a éus pour elle, il m'a dit, fais tout ce que tu dois faire et sois très rigoureuse. Refuse ce qui ne te suffit pas. Je n'oublierai jamais ça. En aparté, à retrouver en intégralité sur l'application Mi Canal. À lire aussi Macha Merrill rend un nouvel hommage bouleversant à Michel Legrand, il est en moi, je suis lui.